Ouais, c'est clair, c'est clair. Oui, tout à fait. Exactement. Vous avez raison, l'équité. Exact. Ah là là. Notre... Oh! Du l'équité. Bah écoute, j'en veux bien. Merci. Allez, je vous paye une tournée, tout le monde. Ah tiens, salut. Salut à tous, c'est Natcrafter. J'étais en train de me reposer sur ce petit nuage. Bah écoutez, c'est cool, il y a des 3DS partout là. Ça ressemble plus à des New Nintendo 3DS, parce qu'il y a des boutons de couleur. Bon, il y a une sorte de truc de jukebox, genre un peu machine à... Comment dire, borne d'arcade, disons. On est en train de me reposer, voilà. En vous attendant. Écoutez bien ça, j'étais en train de vous attendre. Donc vous êtes enfin arrivé, bien c'est cool. Alors du coup, on va pouvoir continuer notre petite récolte de Toad. Alors déjà on va voir où en est Toadette, hein, parce que clairement. On nous a dit qu'elle allait avancer sur la place du village, donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Donc ok, il y a quelques Toads, mais pas plus que ça. Donc on va essayer de tous les prendre. Je pense qu'il faut tous les prendre, de toute façon c'est comme ça à chaque fois. Ou presque tous, mais là vu qu'il n'y a pas beaucoup de missions. Ok, voilà. C'est parti, les Toads de papier dans le vent et nous nous dirigeâmes vers la plage de la demi. Ok. Hop, je ferme la porte. Oh, hop, 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 ça bougeait. Voilà, c'est bon. Attrape les Toads de papier avant qu'ils ne touchent le sol. D'accord, c'est-à-dire. Oh, je vois une ombre. Est-ce que vous la voyez? Juste en dessous. Ok. Je crois que j'ai pigé. Attendez. Attends, j'ai... Ah merde, je voulais utiliser la main là. Mais... J'ai pas le droit. Dommage, écoutez. Donc ok, il faut les rattraper. J'imagine que sinon c'est mort pour nous. On va essayer de tous les choper. Parce que là, il y a trois croix, clairement. Et peut-être qu'on doit tout recommencer. Je veux même pas essayer, écoutez. J'ai envie de tout recommencer. Ouais. Il doit être une petite dizaine être comme ça, non? Une quinzaine, je sais pas. On va voir ça. Donc les bleus sont plus rapides apparemment. Enfin, c'est ce que je remarque. Donc il faut en sauter quoi. Pour l'instant ça va. C'est plutôt simple en fait. Ah non, mais sûrement une petite quinzaine parce que j'en ai déjà 12. Ouais, oh toi reviens ici. Ne m'échappe pas. Donc, ah non, il y en a même. Bon, peut-être que c'est 16. Hein. On est bien tombé sur 21 autour de... Ah non, 15. On en a 15. Ah bah 16, voilà. Comme je disais. Allez, viens par ici. Yes. Ok, donc là, il y a les deux sortes. Ok, donc. Faut être stratégique. Parce que les bleus tombent plus. Putain de. Parce que. Wow, lui il est tombé, donc les bleus tombent plus vite que les rouges, donc faut être stratégique. Celui-là est tombé extrêmement vite. Donc il y en a 25, j'imagine. Pourquoi ça s'arrête pas? Il y en a d'autres! La vache, mais il y en a combien? Genre en fait il y en a 30 000 quoi. Mais là je vais pas réussir à tout prendre. Là. On tombe pas. Là j'ai chaud. 30. Ouais, il y en a d'autres. Ne dis pas qu'il y en a 40. Ce serait truc de ouf ça. Ça serait de ouf. Allez, viens par ici. Viens par ici. Merci. Ok, donc là il y en a. Ouah, il y en a vraiment plein quoi. Aussi il y en a 40. Donc 39. Il y en a. Ouah. Il y en a 40. Ok. Vous allez sauver. Tous les taux de papier. J'ai un coup de 40 la vache. C'est vraiment pas mal. Taux secouru. J'adore. Donc n'oubliez pas de sauvegarder. T'inquiète pas. Donc les taux de papier autocollants. Les taux de papier sont collés au mur. Utilisez le forage turbo pour les sauver. Ok. Ah. Non, en fait pas ok. Je crois que j'ai compris ce qu'il fallait faire. Ça fait chier. Ouais, c'est ça, putain. Oh, c'est impossible. Bon, là, ça va, mais...
Oh putain. D'accord, donc en fait, c'est ça tout le long. Pop, 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 pop. Attends. Non, c'est une blague. En plus, ils vont. Hop, voilà, voilà. Voilà. Non, arrête. Je passe ou je passe pas là? Si c'est bon, on passe. Ouais, ça c'est cool comme ça. Parce que franchement, recommencer depuis le début, c'est bon quoi. On peut pas me faire chier non plus. Ouais. Oh, ça c'est le mec enculé quoi. Ah, attendez, peut-être en diagonale, parce que vu que... Ah, presque. Oh, le con, le fourbe. Comment faire pour le choper, lui? Ah, une chance. Donc toi, salut. Oh, merci, je croyais. Blablabla. Je suis frijolé, truc, blablabla. On s'en fout. On s'en fout de ce qu'il dit. Ouais, nous, on l'attrape, c'est tout. Point. Ok. Donc, on passe. Wow. C'est pas stressant, parce qu'il n'y a pas de temps. Non, alors, putain. Non, sans déconner, quoi. Pff, il fallait qu'il y ait un putain de temps ici. Voilà. Putain, c'est pas croyable. Hein. Donc on a plein de petites pièces, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ok, donc là aussi il y a un petit taux de cachet. Donc écoute, ça se trouve, ces taux-là a été fait uniquement juste, enfin uniquement pour les taux. Ce qui m'étonne pas parce que la dernière fois, ça avait servi à rien. Donc... Donc voilà, tout simplement. Je sais pas où on va aller après parce que y a pas 36 000 zones quand même. Il y a la montagne, il y a les prairies, il y a la forêt, mais on est déjà y allé. Non, franchement, j'en sais rien. Déjà au château de Bowser, ça me paraît bizarre en fait. Je veux dire, déjà quoi. Mais non. Non, je pense pas. Je ne pense pas. Ce serait dommage, franchement. Et je déconseillerais à l'achat. Ça fait vraiment pas longtemps qu'on joue. Je veux dire, 30 minutes par épisode, environ. Hein. On est déjà au 20e. Ça fait quoi? Ça fait que 10 heures. Hein. Merde! Oh non! Ça fait que 10 heures. Hein, Ça fait vraiment peu pour l'instant. D'après les tests, je crois que c'est 30 ou 40 heures, peut-être un truc comme ça. Bon, vu que je fais tout, je pense que ça va être 40, je sais pas, 45 heures, un truc comme ça, en tout. J'en sais rien. À voir. Non, me dis pas que tu... Non, il fait comme ça. Je te déteste, dégage. Faut être plus malin, faire quoi quoi. Oh. Mon dieu, mais tu es trop rapide. Je vais t'avoir par la technique de la diagonale. Oh, je l'ai eu en plus. Me dites pas que c'est pas possible. Ok, donc il n'en reste plus. Non, lolo. C'est le merdier. Quand c'est le merdier. Oh putain. Oh punaise. Alors ça, je le sentais venir. Ok. Eh ben écoutez, moi, c'est peut-être pas mon jeu préféré. Mais je prends vraiment du plaisir à jouer. C'est vraiment bien.
Je veux dire, c'est un peu... C'est bien parce que c'est un peu comme un Mario, genre Princess Peach a été kidnappée, mais vraiment normal, quoi, par Bowser. Mais classique, je veux dire. Ah, tous les... Ah, les cons. Tous les autres sont là. Je veux dire, c'est pas un... Un jeu... Je veux dire, c'est un classique, mais en RPG, mais étant donné qu'il y avait... Waouh, je vais me faire défoncer. Oh là. Puis, il y avait jamais de... Je veux dire, des classiques en RPG, à part... J'ai pas joué, en revanche, je suis... à Super Mario RPG sur Nintendo 64. J'ai pas non plus joué à tous les jeux. Oh, ça pourrait être peut-être sympa d'y jouer. Je connais pas du tout si c'est bien, pas bien. Je sais juste que c'est... Oh là là! Que c'est à l'origine de Paper Mario et de Mario Luigi. Toutes les deux séries. Je sais pas, ça pourrait être intéressant, je pense. Mais bon. C'est qu'une suggestion. Je voudrais pas dire. Allez, on va faire. Super Mario RPG. Allez, allez. Non. Vous êtes fous, quoi. Ok. Bon. C'est cool. On a 18 de plus. Quand je vous disais que c'était pas des chiffres ronds. C'est quoi ça? Coup fatal aux ennemis de même niveau que l'utilisateur ne fonctionne pas toujours. Wouh! Ça, c'est pas mal. Livraison pour Mario et ses amis. Donc ça, c'est pas un tutor car... Ouh, une nouvelle attaque trio. Yes. Donc ça, c'est piqué trio. Donc, ouais, les guides, on s'en fout. Il faut que j'y aille. Amusez-vous bien, les amis. Donc là, c'est Toadette. Donc, cool, une nouvelle attaque trio. Grâce à vos efforts, le village crouille de taux de papier. Je retourne à la place centrale pour superviser les travaux sur le titan carton. Il va être génial, mais ça va me prendre encore un peu de temps. En attendant, aller rendre une petite visite à Bowser Jr. et sauver les princesses. Pas de... Qu'est-ce qu'il y a? Je me remets au travail. T'es occupé là? Oh, on essaye d'écouter ce qu'ils disent. Pas plus que ça, pourquoi? J'ai un paquet à livrer à un client au sommet du mont Fupacho. Il est juste devant la porte. Tu peux t'en occuper par là. Par le raccourci, ça prend 2 minutes. Livraison express pour le sommet du mont Fupacho, compris? C'est parti! Ok, donc du coup, c'est libre. On regarde s'il y a autre chose. Donc, ok, y'a rien. La route vers l'héroïsme, c'est à l'est d'ici. Alors, partez vers la droite, bonne chance. Ok, et du coup, lui, c'est les... Ouais, on s'en fout. Alors, ça, j'en sais rien. Donc, attends. Les petites étoiles, c'est quand j'ai tout. Donc, ça, bah, c'est fait. Ça. Ok, donc, là, c'est pas mal. Peut-être qu'on va faire un petit épisode bonus où on fera que des... Ou juste... où on fera que des défis difficiles, peut-être. Ça sera peut-être... plutôt... Bon, on verra, on verra. On verra. Bienvenue au village, l'accès n'est pas facile, mais l'accueil vaut le coup. Il n'y a pas plus grand bonheur pour un taux que d'être secouru par le grand Mario. Gla, gla, la température n'est pas particulièrement clémente dans ce pays. Qu'on soit plat ou qu'on soit rond, le froid ne fait pas de distinction. L'important, c'est que nous soyons tous sains et saufs. Vous devriez venir nous voir dans notre monde un jour. Pourquoi pas, il fait froid comment par chez vous? L'entrée de cette caverne m'intrigue. Quoi ça sert de faire une caverne si personne ne peut y accéder? Pourquoi tu ne transformes pas en avion pour aller jeter un œil au lieu de rester planté là? Comment te dire? Ou un cerf-volant volant, par exemple, bien sûr, je vote beaucoup, beaucoup pour ça. Ça aussi, ça va être difficile. Dis, Toadette, il est bientôt fini ton super projet? Vivant qu'il soit opérationnel. On peut le voir, on peut le voir. Tout le monde va être abasourdi en voyant ce qu'on a fabriqué. On se calme, les enfants! J'aimerais pouvoir terminer en paix! Ok, 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 ça. Eh bien, c'est un joli bâtard dans le village. Ok. Donc, attendez. En fait, je me suis pas. Parce que je viens de me rappeler que dans chaque village, il y a. Vous savez, le taux intelligent, l'intello. Du coup, on a des points. Donc, j'aimerais bien aller le voir, lui. Ouais, du coup, là, il y a vraiment. Il y a vachement de taux en plus. Donc, clairement, on va aller vers la maison qui n'est pas une boutique. Qui est potentiellement la maison qui abrite le l'intello. La salle, les amis, venez voir. Non, bon, du coup, toi, je m'en fous de toi. Je m'en branle de toi. Vous avez vu ce taux, lui et moi, on est. Hop, sauf que lui, il peut se transformer en avion. Donc lui et moi, on est pareil, il peut se transformer. Ok, okay, donc je sais pas. Écoutez, normalement, il y a un taux de intello, je ne sais pas. Voilà. Étrange, étrange.
Peut-être, attendez, je regarde. Non, il n'y a que cette. Il n'y a que cette maison qui est. Là, c'est trop petit. Ok, bon. Bah écoutez, on verra ça plus tard. Il y a sûrement un intello là-dedans. Je sais pas où il est. C'est pas grave. On le trouvera bien la prochaine fois. Enfin, quand on reviendra. On le trouvera forcément. Donc. Ok, donc on est. On est plus haut, regardez sur la carte. On est plus haut que d'habitude. Donc c'est parti. Voilà. On voit. Ok, ok, ok. Donc là, il y a un voyou, comme vous pouvez le voir. On fait pas de bruit, on fait pas de bruit. On ne fait pas de bruit. Bon alors, il y a deux voyous. Donc on va pouvoir tester notre. Oh le con, il y a un je sais pas quoi là. Un sombrero. Ok, non. On va utiliser l'attaque. Bon, si il est encore paumé. À moins qu'il soit tout simplement. Attendez, ça vous gêne. Non, c'est bon. Ah, voilà, il était tout simplement dans le. À l'arrière. Je suis con. Alors, piqué trio. Wow. Wow, wow, ok, j'aurais peut-être dû faire l'essai. Hein. Ok, ok, c'est parti. Moi, je suis chaud. Ok, donc les voyous sont en petits morceaux et les sombres mascas là. Donc, okay, je crois qu'il faut appuyer sur Y. Donc, ok. J'ai vu quelques extraits, ok. Ok, donc en fait, il faut passer dans les... Il faut essayer de... Oh, d'attraper tous les bonhommes en papier. Et passer par les anneaux pour gagner de la vitesse. Et on appuie sur Y... Oh, putain. On appuie sur Y pour faire une petite... Petite accélération. Ah bah. Ok, j'ai pas fait génial. D'habitude, ça fait un beau truc là. Je sais pas. Alors, en même temps, on a pas fait excellent. On refera. Dommage. On vient fort, hein. Avec nos pompes là. What, il faut quoi là? Connard, tu fais quoi là? Oh le con. Oh l'enflure de merde, ok. Donc là, petit voyou, donc. Il va essayer de me pousser le voyou. Le voyou, c'est... Voilà, c'est ça. Allez, 116. Oh la vache. 116 PV pour Luigi, la vache. Là, tu comprends qu'on déconne plus, en fait. Dans Mario Luigi, Paper Jam Bros, on déconne plus. On est déjà à 116 PV. Pop, pop, pop. S'il te plaît. On ne déconne plus. Donc on est... Oh mais c'est pas possible. Mon socle caméra bouge. Ok, il n'y a plus rien. Plus rien. Plus rien. Plus rien du tout. Ok. Donc... Attendez. Donc, nous sommes arrivés par là. Par là, par là. C'est bien cela. Oui, nous sommes arrivés par là. Oh, je l'avais pas vu celui-là. Je l'avais pas vu. Donc, nous avons un sombrero masque. Bon, ça, il s'appelle comment en vrai? Masquero de... Un masquero... Donc on va essayer le piqué trio, cette fois excellent, espérons-le. C'est parti. C'est parti, wow. C'est parti. Ok, donc. Un anneau, un masquasse. Ah, ah merde, c'est oh là là. Je suis nul. Non, non, non. Moi bon, c'est mort. Hein. Ah non. Moi je crois que je l'ai niqué. Hein. Ouais c'est bon, ils sont morts. Après c'est cool, on a fait un excellent. Donc j'ai shooté, même si j'ai même pas touché les autres. Vraiment dommage. On va faire un petit rapide bombe là.
Ah, il est pas mort, il est pas mort. Il a de la chance. Ok, voilà. Bon, l'enflure. Ok. Donc je vous le rappelle, que je l'ai dit au dernier épisode, je suis, disons, en collaboration avec Anthos Gamer et Nitty, qui d'ailleurs, le nom et les liens de leur chaîne sont dans la description. Vous pouvez aller les voir. Donc Nitty fait surtout des let's play sur des RPG. Ok, on peut pas passer. Arrêtez, on peut passer. What? Non mais. Non, arrêtez, on peut passer là. Oh non, on peut pas passer. Dommage. Donc surtout sur des RPG, tels Fantasy Live, Bravely Default, Bravely Second. Et Anthos Gamer et surtout hop, des petits jeux tablettes tels Bloon Tower. Bloon TD Battle, donc Bloon TD veut dire Tower Defense sur Mario Kart, voilà, les unboxing de Lego Dimension, des plein de trucs comme ça. Donc n'hésitez pas à aller voir leur chaîne, c'est cool, c'est cool. Aussi sur Splatoon et Anthos Gamer. Donc tout ceci dans la description, je vous dis, et sûrement à l'écran, ça s'affiche sûrement en bas à l'heure qu'il est. Ok, je me suis fait, enfin sûrement, mais j'en sais rien, sûrement sur l'écran du bas. Le lien qui vous mène directement, wow, à leur chaîne, sûrement en bas. Donc d'abord Nitty, après Anthos Gamer, ça a sûrement disparu alors qu'il est. Voilà, voilà. Donc les voyous. Ce qui est bien dans Paper Jam, c'est qu'on retrouve des ennemis qu'on n'a pas vu dans Mario G auparavant. Et ça c'est bien. Ça c'est extrêmement bien. Je trouve que c'est vraiment l'un des plus gros points positifs en fait. Parce que en fait, il n'y a pas de. On peut pas dire qu'il y a vraiment des nouveaux personnages comme vous rappelez Mister Cube là, le mec avec les moustaches là, au centre de Bowser, ou la photographe Koopa, ou non, ici vraiment les persos de base, mais dans le jeu on a vraiment tous les persos qu'on peut connaître de tout Mario en fait, donc, tout l'univers Mario. Il y a tout le monde, par exemple, sombrero, les masqueros de papier. Ah, je suis con. Ils sont dans Paper Mario, Sticker Star. Voilà, ça, vraiment, je trouve, c'est un très bon point. Si encore, ils auraient pu mettre genre juste les deux bases, et puis ça aurait été, voilà, claque vite fait. Mais non, ils ont vraiment tout mis, ça. Et merde. Ils ont vraiment tout mis, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Oh, merde. Ça, c'est vraiment, vraiment bien. Oh, c'est pas possible, je suis cloche ou quoi? Il y a zéro et machin. Je suis une pauvre cloche. Attends, mais c'est quoi ces attaques là? Le mec il me balance son chapeau, c'est quoi déjà? Mais what? Mais c'est n'importe quoi, attends. Level 17. Ah, lui il a du level, hein. Voilà, étourdi, super, j'ai trop de la chance. Ouais, vous pouvez aussi me dire dans les. Oh, super. Vous pouvez aussi me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse des attaques types sur certains ennemis pour savoir comment ils attaquent tout ça. Et puis les esquiver après, et puis rusher tout seul, mais bon. Je vois pas l'intérêt, à part s'il y a vraiment trop d'ennemis. Là par contre, ok. Parce que c'est vrai que t'as trop d'ennemis après, c'est pas intéressant quoi. Donc on est level 20.
Et on a 101 PV. Mais ça, c'est 101 PV de base. Hein, parce qu'on peut en avoir beaucoup plus. What, mais j'ai l'impression que je me perds. Attendez, on est où? On est arrivé à gauche. Ah non, on est là. Attendez. Mais ça, on n'est pas y allé. Ah si, ok. Pff, moi, je suis perdu. D'accord, ouais, c'est là. On... Ok, autant pour moi. Donc, on passe par ici. Hop, hop, hop. Petit escalier. Ah, petit liquide aussi. Donc, il nous suit. Aussi, Attendez, il nous dit quoi? Quelqu'un est tombé de cette plateforme en essayant de l'emprunter l'autre jour. Il marchait très lentement et le sol s'est dérobé sur ses pieds. Quelle idée aussi de pas savoir voler. Ok, donc c'est une sorte de... Attendez. Donc aussi, dites-moi si... Si le... Wow! Un voyou. Dites-moi aussi si le cadrage est bien. Parce que vu que c'est moi qui fais le cadrage, je peux pas... Enfin, je peux bien regarder une vidéo, mais... Vous êtes plus objectif, quoi, parce que... Moi, je suis plus... Bah, ouais, mais... Oh! Bon, attendez, je vais utiliser ça, mais ça sert à rien, parce que... Quand même, là, franchement... Je me demande s'il y a des voyous de papier. Je pense que oui, hein. Non, je sais pas. Allez, redistribution des cartes. On a exactement la même carte, c'est nul, mais bon. On a un cadeau. Dedans, on a un foulard attaque. Ok. Bon, ok, il est mort. Hein. Souvent, quand ils font cette attaque, c'est qu'ils vont mourir. Parce que le seul moyen de les arrêter, c'est de les... Non. Okay. Mais en tout cas, ils perdent pas mal de PV. Ah d'ailleurs c'est cool parce que on vient d'atteindre un petit palier, mais ça me fait plaisir. On atteint les 10 abonnés. Bon, c'est pas grand chose, hein, mais je trouve ça bien. Un petit chiffre rond, là. Pas un petit 9, non. pas un petit 11, non un 10. Enfin même 11, ça me ferait espérer un plaisir, quoi. Mais ouais, 10 c'est bien. Je trouve c'est bon. On évolue peu à peu. C'est cool. C'est cool. Ah. Il n'est pas mort. Ouais, c'est cool. Ouais, 10 abonnés. Ah bah, toi, t'es mort direct. 10 abonnés, ouais, c'est cool. Je sais pas, je ferais peut-être une petite vidéo spéciale, je sais pas, 50, peut-être 50, puis à 100, puis ensuite, déjà, avant que j'atteigne le 100, ou même le 50, il va falloir attendre, hein. Va falloir attendre, mais ouais, je ferai sûrement une vidéo spéciale, je verrai ce que je vais faire. Si vous mettez plein de commentaires, je vais peut-être répondre à vos commentaires, même si ça me pose pas de problème, puisque... Il n'y en a pas beaucoup, donc je peux très bien répondre comme ça. Je ne sais pas. On n'est pas rendu là, de toute façon. Occupons-nous des problèmes présents. Ok, alors c'est Fouayou. Il est pas mort. Non, mais toi, tu me cherches. Hein. Ah bah voilà, il est mort juste après. Non, mais ça, c'est n'importe quoi. Bye bye. Dommage qu'il se prend pas 18-18-18. Ce serait vraiment bien. Ok, c'est pas. L'esquive, voyou. Ah, les voyous, quand même, ils sont bizarres. Hein, je sais pas, ça ressemble à rien, quoi. Excusez-moi, les voyous, mais vous ressemblez à rien. Alors, je ferai sûrement un let's play sur Paper Mario Sticker Star aussi. Bon, ça, c'est juste des. Disons des hypothèses. Hein. Pour dire peut-être que j'en ferai un. Je vais dire, c'est juste, je veux dire, c'est que des suggestions. Ce serait vachement cool, ça me ferait plaisir. Peut-être même sur Wii U. Vu que le nouveau va sortir. Ok, je me le prends dans la terre, super. Donc, ouais, vu que le nouveau va sortir, peut-être bien. Franchement, c'est à voir. Ah, oui. Aïe. Je me suis... Aïe. Pardon.
Excusez-moi, j'ai... Aïe. Ça m'a mis... Ah, j'ai... Ça me fait mal. Je sais pas, je me suis pété un truc là. Aïe. Pardon. Alors, bon, là c'est bon, on aura les culs. Pop, pop, pop. Carapace, c'est bon. Tu viens pas me faire chier. Ça suffit, les attaques sous, hein. Ah, d'accord, ça lui fait rien, quoi. What, what, what? What the fuck? Non, c'est quoi ça? Les... Putain, quoi. D'accord. Mais écoute, tu me fais chier, hein. Bon, allez, c'est parti. Excusez-moi si je suis pas très énergétique aujourd'hui et la dernière fois. C'est que je suis fatigué, comme je l'ai dit. Ah, voilà, j'arrive même plus à faire des bons trucs. Je suis fatigué. La putain. Ah, t'es mort, voilà. Donc écoutez, je suis fatigué, mais voilà. Ça fait partie. Et je peux pas attendre 2 millions d'années ou 2 mois pour sortir mes vidéos, quoi. En tout cas, j'ai été heureux que le speed drawing vous ait plu, hein, parce que bon, c'était une idée qui me tenait à cœur de faire ce masque de Majora et justement avec le nouveau socle. Donc franchement, c'est super. Merci vraiment. Merci. Vous êtes trop gentil. 100. Ok, donc là je l'ai vraiment mis la pâtée. Super bonbon. J'ai rien. Mon gars, t'es foutu la pâtée et j'ai rien, quoi. Genre, c'est un peu n'importe quoi. Donc clairement, là je le sens pas. Je sais pas pourquoi je le sens pas. Regardez la map, c'est un endroit tranquille et tout. Ouais, wow, wow. Ouais, oula. Non, franchement, ça me paraît douche. Je vais. Attendez, déjà je vais redonner de la vie à mes compagnons. Quand vous donnez de la vie en je dirais hors combat, prenez toujours des champignons normales. Parce qu'en fait vous avez le temps, donc vu que vous en avez plein, bah, utilisez clairement un champignon normal. Enfin les objets qui restaurent le moins de points. Que ce soit de vie. De... Allez, je veux passer à 100. Ah oui, bon, là j'ai fait une connerie, mais faites l'haricot avant de... Avant de... Avant de faire les champignons, bien sûr. Bon, là je l'ai pas fait. L'erreur est humaine. Alors, B... Mais ah, c'est pas possible. Parce que du coup, vous avez tout le temps qu'il vous faut, donc... prenez pas des super champignons directs. Hein. Ça n'a aucun intérêt. Vitesse, nous allons le donner à Luigi, parce que clairement, il est à la traîne. Oh non. Oupinaise. Ok, donc. Moustache. Moustache, c'est la chance. Pour ceux qui ne s'en souviennent plus. Veuillez me suivre, votre Celeta. Hop, voilà, voilà, je le savais, putain. Regardez-moi ça. Il est temps de retourner au château de votre père. Non, j'ai pas envie. En plus, c'est toi qui m'as dit de venir jouer ici. Eh bien, c'est vrai, mais... Nous vous avons déjà expliqué que Mario et sa bande seront ici d'un moment à l'autre. Rien à faire. Rien à faire, on a pas fini de jouer, on n'a pas peur de Mario et ses petits copains. Maintenant, on a ce joli carton, on ne craint rien du tout. Voyons, soyez raisonnables. Et ouais, mais on est déjà là. Et voilà, qu'est-ce que je vous disais? On se retrouve avec un sérieux problème sur les bras. Hey Mario, tu arrives au bon moment. Voyons comment se comporte mon nouveau jouet quand il vous repasse la face. Ouh, des copains.
Il est grand. Il est imposant. Nous voilà dans le beau drap. Où sont Odette et le titan carton qu'elle construisait? On est là, Pansy. Ok, donc, quel est le nouveau titan carton? Nous allons savoir. Merci pour votre patience. À présent, contemplez cette merveille. Donc, vu la chevelure, voilà, c'est Peach. Avec des ballons. Oh là là. Oh là là. Mon Dieu, une princesse ne se bat pas. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Ce serait marrant si elle fasse son propre titan carton, Toadette. Ce serait marrant. Bon, je passe pas la cinématique, bien sûr. Ok, donc on a le titan carton Peach. J'imagine qu'il a des spécificités un peu comme Luigi. Bref, j'en sais rien. J'imagine que c'est son parapluie. Hein. Ça peut être ses cheveux, bien sûr. Lorsque le titan carton Peach enclenche le turbo, son ombrelle s'ouvre. Utilise-la pour dévier des projectiles. Le titan carton Peach ouvre aussi son ombrelle lorsqu'elle est éjectée. Ainsi, elle vole encore plus loin. Quand vous éjectez les titans carton, appuyez sur A juste avant d'atterrir pour infliger des dégâts supplémentaires. Ok. Ah, les titans carton, ça m'avait manqué. C'est, faut avouer que c'est pas les combats de boss, mais c'est cool. Je dirais que c'est pas badass et tout, parce que les combats de titans avant étaient vraiment, mais vraiment badass. Oh, là, je vais vous dire, c'est fun. Mais c'est pas... ça va, c'est fun. Donc remarquez que c'est des Goombas qui soulèvent ce titan carton. Malgré que ce ne soit point un coup, hein. Va te faire enculer. Va te faire enculer. Va te faire enculer. D'accord, c'est carrément marqué A. Ok, j'ai même pas besoin de réfléchir en fait. D'accord, donc ils font tous les trois une charge au sol pour que Peach le défonce tout simplement. Attendez, je vais tester un truc. Ok, quand on. Ouais, c'est fait des. Ok, quand on... Okay. Et attaque. En ce qui concerne l'épisode spécial Amiibo, je vous en reparlerai en temps voulu. Un ou deux épisodes, comme je disais la dernière fois. Parce que je tourne les deux épisodes à la suite... Là, le 19 et le 20, je le tends à la suite. Donc, ne vous inquiétez pas, je le ferai. Mais je vous le dirai en temps voulu. Parce que, en fait, je sais pas du tout quand je le ferai. Tu fais quoi, là? T'as essayé de te foutre de ma gueule? Oh, Michael. Michel Jackson. Voilà. Ne vous inquiétez pas, ça se dit Michael Jackson, mais je fais exprès. Donc on ne passe pas. Ouh, elle est vraiment imposant. Titan carton Bowser Jr. Ok, il est vraiment imposant. J'imagine. Ok, ça va pas être si facile en fait. Ok, ça allait être trop facile. Ouah, venez nous chercher si vous pouvez. Bah, sûr qu'ils en sont pas capables. Ah, t'es chiant. Oh, quelle fourbe. Non, arrête. Comme ça. Comment on fait pour le rattraper? Il me fait pas chier dans le cul, toi.
Non! Oh, c'était de la merde. Bah, je l'ai un peu eu. Bof. Donc, en ce qui concerne les épisodes spéciaux, je vous en reparlerai en temps voulu. Ne vous inquiétez pas. Oui, en ce qui concerne les titans carton, mais en vrai carton, je veux dire en réel, je pense que je vais vraiment les faire, mais quand, ça je ne sais pas. Ah merde, comme je vous disais la dernière fois, écoutez, peut-être sûrement quand j'aurai fini le premier let's play sur Shovel Knight Plague of Shadow. Ne vous inquiétez pas, ceux qui veulent Shovel Knight normal, enfin sans le, en jouant avec Shovel Knight mais pas en jouant Plague Knight, ne vous inquiétez pas, je vais vous faire un let's play dessus, c'est ce qui était prévu, mais je vais sûrement faire les titans carton qui sont dedans. Bon, je sais pas encore comment je vais faire et tout, si je vais le faire avec de la peinture, j'en sais rien. Je peux vraiment pas dire. Bon, tu fais chier là. Wow, essaye de... Ok, laissez tomber. On va sur le rang à côté là, hop, parce que là, ça fait 3 heures qu'on le poursuit. Regardez-moi ça, Bowser Junior danse aussi. Ok, ok, donc on y va. Donc lui, je sais pas s'il fait exprès ou quoi, mais je vais le défoncer. Wow, je me suis fait def. Bim! Voilà! Ok, donc là, il est énervé. Ah, il n'y a plus de pique. D'accord. Eh bien, écoutez, c'est parti. Wow, wow! T'es un petit enculé, toi. On va choper la pièce là. Voilà, ça lui fait un peu mal. Pas normalement, mais un peu mal. Attendez. Il est la balle forme. Il lance toute sa carapace, hein. C'est un vrai sac de poche, ce truc. C'est un vrai inventaire. Il y a plein de trucs dedans. Bon, là, il est vraiment vénère. Le titan carton tout beau, tout propre, vandale. Bon, si au lieu de bavasser, on sortirait l'artillerie lourde. Ouais, bien vu. Pardon, là, c'est en 3D. Allez, pour ceux qui me demandent des fois, enfin, qui me demanderaient, là, je suis en 2D, disons. Et là, je suis en 3D. Donc voilà la différence. C'est juste pour dire. On va en faire de la chair à pâté. Allez, on avance. Ah, j'ai presque... Oh putain. Oh le con. T'es un enculé, toi. On lance again. Allez, non. J'aime bien les toads qui dansent aussi. Ça fait fête du village et tout. Je trouve c'est mort. C'est mort. Adieu. Pardon. Dégage. Thank you.
Mario. Bon, là, c'est moi, les morts, je pense. Non, il nous reste légèrement des PV. Mais on se loupe pas. Voilà, on l'a eu. Regardez-moi ça. On a gagné. Génial. Par contre, j'ai remarqué que c'est vraiment dommage qu'on ne gagne pas d'XP. Avant, on gagnait de l'XP. Bon, on gagne des cadeaux encore. Bottes de liasse, gants, attaque parfaite, trois champions, super bon. Franchement, c'est dommage. Ah, ils ont cassé mon titre en carton. Pourquoi vous l'avez pas fait plus costaud? Je crois bien vous avoir averti avant le combat, votre Altesse. Ah ouais, ben ça nous fait une belle jambe maintenant. Retournons au château. Oui, votre Altesse. On peut pas les laisser s'enfuir pour chasser les... Ok. Ok, et ben... Oh, regardez-moi ça. Qu'est-ce que... Eh, ça ne vous ne rappelle pas que... On était dans la prison. Vous avez obtenu un objet bizarre que les Bowser Junior ont laissé tomber. Une sorte de... Je sais pas, un tampon, non? J'ai l'impression d'avoir déjà vu un machin comme ça quelque part. Ah, c'était Luigi qui avait dit... ouais, on aura besoin plus tard et tout. Ça, c'est un appel à l'aide. Prince, j'en suis sûr. Il faut sauver la princesse. Alors... J'hésite entre y aller... Bon, allez, on y va. Pour faire plaisir. D'accord, donc là, clair. Mario. On y va. Regardez, là, 3D, pas 3D. Ouais. Si. Non, là, pas 3D. Donc, ok, on est tombé. Vous êtes doué, pas possible. Yo. Et ben voilà. Allons-y, seul. Hello, motherfucker. Yeah. Ah, ça, c'est cool, on pourra revenir. Ouais, excellent, Mario Papier. Mais pas attends. Tu me surprendras toujours. Essaye de faire pareil. Mario, ton enthousiasme fait plaisir à voir, mais je ne suis pas sûr de voir où tu fais en venir. Il a raison, Mario, chacun ses talents. Luigi et toi, vous en sortez très bien à votre manière. En ce moment, Mario Papier est là pour s'occuper de la partie paperasse, si je puis dire. On ne saura rêver d'une meilleure équipe. Par contre, Luigi. Hein. Bien, alors reprenons. On n'a toujours pas récupéré le princesse. Comment? Aller chercher au château de Bowser? Oui, c'est l'idée générale. Le problème, c'est comment on arrive là-bas. Ah oui, avec ça. Ah, c'est le truc que les Bowser Junior ont perdu tout à l'heure. Ça doit sûrement être important. D'ailleurs, j'ai comme l'impression d'avoir vu ce symbole quelque part. Vous savez où? Blop, blop, blop. Dans l'archipel, j'aime. C'est Luigi qui nous a fait chier avec ça. Mais bien sûr, je suis certain que c'était là-bas. Côté de... enfin, vous savez où c'était, ça. Hein. Déjà, tu te souviens, Luigi? À quel endroit de l'archipel était-ce? Dans les mines, justement. Ah, c'était une... Je croyais que c'était une prison. Mais oui, c'est bien ça. C'est le cadre idéal pour un truc aussi repoussant. Bon, on a une détail. Claire, Mario Papier, à ton tour. À quel endroit précis, trouver le symbole? Sur le mur suspect. Le mec, il parle, mais on l'entend pas. Ça fait chier. Oui, regarde. Voilà, ça. Vous vous en souvenez, tout de même. Ah, je me demande... Oh, ça va être stylé. C'est ça? Je crois qu'on a trouvé l'entrée de Château de Bowser. Mia, redescendant de la montagne, il a envie de ça. Par contre, j'aimerais voir quand même... Par contre, ça serait la fin? Non. Ah, voilà, ça. Ça méritait d'être vu. Donc, clairement, là, on peut... Bon, attendez, il y a un voyou, mais... Je t'évite, voyou. Pour la première fois depuis cette partie. Hop, je t'évite. Je t'évite, je ne t'aime plus, je ne t'aime plus, je ne t'aime plus. Ok, voilà. Donc, clairement, bah, j'espère que ça va pas s'arrêter là. Enfin, je veux dire... Déjà, là, donc... Ouh, oula. D'accord. Donc là, on est dans le désert. Vous vous rendez dans l'archipel Gemlaire.
Si c'est le cas, il suffit de sauter en bas, puis de continuer le tour. Bonne chance à vous. Faut pas avoir peur, ça a l'air haut, mais je suis sûr que vous pouvez y arriver. Ok, donc là on est carrément dans une nouvelle zone. Maison ne fait pas chaud. Au nord, village des taudes. Au sud et prairie radieuse à l'ouest. Ok. Ok, ok. Ok. Ah, je vais aller dedans. Bah, est-ce que t'as des trucs pour moi? Non, y'a rien. Dommage. Donc écoutez les amis, ça va être la fin de ce 20e épisode sur Mario et Luigi Paper Jam Bros. J'espère que vous avez aimé cette bataille de titans carton épique, hein, si je puis dire. La Princesse Peach contre Bowser Jr. C'est ironique puisque les Princesses Peach sont entre les mains de Bowser Jr. Alors qu'il est donc... Donc eh bien écoutez, c'est un grand plaisir pour moi de vous faire ce 20e épisode. Moi je vous dis à la prochaine pour le 21e épisode, ce qui est logique. Après 20, il y a 21. Et j'espère que vous continuerez à regarder mes vidéos, à les liker, les commenter. Et si vous ne l'avez toujours pas fait, à vous abonner. Que ce soit plus simple, bien entendu, pour regarder mes vidéos. Après vous faites comme vous voulez, je ne juge personne. Voilà. Donc, écoutez, nous là on est dans on est dans la Lucky Fetaria. Allez, la Lucky Fetaria. Ah, ça fait plaisir. On fait juste un petit point sur la console des titans carton. Donc, clairement, on en a fait 3. Titan carton, Goomba méga pied. Titan carton, Kamek. Vous vous en souvenez, c'était avec Luigi. Et, pas plus tard qu'il y a 5 minutes, le Titan carton, Bowser Jr. Et il nous en manque... Regardez bien sur l'écran tactile. 1, 2... Il nous en manque 2. Ou peut-être... voilà. Donc clairement on peut voir qu'est-ce qui nous manque. Donc on a clairement fait la moitié. On va faire aussi un tour au ring de combat de boss. Donc là c'est curieux parce qu'il y a beaucoup plus de boss. Donc il nous reste 2 titans carton. Je crois savoir lesquels c'est. Je ne vous les dis pas pour pas vous spoiler, bien entendu. Donc écoutez les amis, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures sur Mario et Luigi Paper Jam Bros. Qui sait qui nous allons rencontrer. Allez, bye tout le monde.